Alors t'es grave quoi, Carnagule? T'es une merde, Carnagule. LOL. Et alors? Non, je rigole. T'as jamais été au-dessus? Si, plate 3, plate 2. Et après, je m'arrête généralement au plate 2 parce que j'ai pas plus le temps de jouer que ça. Excuse. Avec le taf. Donc en fait, tu nous dis quoi? Attends, tu nous dis quoi? T'es plate 2 ou t'es gold 1? C'est pas pareil. Alors, toutes les saisons, allez, je me mets en allez, prépare ton mytho, vas-y. Ouais. Alors, normalement, je suis plate 2. Toutes les saisons, j'ai toujours été plate 2. Mais là, en fait, le problème, c'est que, bah, vu que je joue avec des potes et qui sont pas très très bons, bah, j'arrive pas à percer. Je suis gold 1, mais c'est parce qu'avec le boulot, tu sais, j'ai pas trop le temps de jouer. Mais j'ai joué avec Falco, donc quelque part. On est bon ou pas, Karna? Ouais, c'est ça. Ok, bon, voilà, je te connais un peu. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Non, du coup, non, c'est parce que. Je vais réussir à parler. Ok, sois pas. J'arrive, les copains. Wallach! Alors, c'est quoi ton mytho, Karna? Canard? Alors, c'est. Avec les cours et avec le taf, c'est un peu compliqué de jouer entre temps. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis étudiant à l'école 42 et en même temps, je travaille dans une entreprise à temps plein. Alors, répète, école 42, c'est quoi ça, l'école 42? L'école de Xavier Niel, le mec de la Freebox, tu sais, là. Et c'est quoi? Pourquoi de la 42? C'est une école. Pourquoi faire? C'est autodidacte dans le développement informatique. C'est une école autodidacte, déjà ça veut rien dire. Si c'est une école, ça veut pas être autodidacte. Ah non, c'est con quoi. École autodidacte, en fait c'est simple. J'ai fait une école autodidacte de guitare, du coup. Ouais. En fait, si tu payes 10 000 euros et t'as juste une chaise. Bah démerde-toi, c'est vachement. C'est autodidacte. Oui, ça fera 10 000 euros, bah ouais, quand même. Pour mettre sur ton CV quoi. On va mettre ça nous sur la Salty Academy. On va faire un petit chemis ce soir autodidacte. Vas-y, démerde-toi, mec. Bonsoir à tous ceux que j'ai pas cités qui m'ont dit bonsoir. Bonsoir à vous. Passez une bonne soirée en notre compagnie. Ça va être une bonne soirée ce soir, je le sens. Il y a un truc. Je sens qu'il y a quelque chose qui fait que entre nous, il y a une interaction. Là, il y a un lien qui s'est créé. De toute façon, depuis quelques temps, je sens qu'entre nous, il y a. Entre viewers, entre streamers, il y a quelque chose qui est né. Et ça se partage, je veux dire, c'est une émotion qui est là, qui est présente, qui est active, qui fait que entre nous il y a de l'amour. Je ne peux pas le définir, c'est une passion qui est trop prenante, c'est une passion qui est enivrante, je dirais même. Mais c'est là, c'est actif, c'est au quotidien, c'est beau. T'es d'accord avec moi, Sis? Non, pas du tout, j'écoutais pas, en fait, je m'en bats les couilles. D'accord. C'est 4 pour personne. Je vais dehors, je vais mourir dans 2 secondes. Voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit, hein, j'avais prévenu. Il y a Narto qui demande, bonjour proviseur, j'ai une nouvelle Lucic. J'ai une nouvelle, quoi? Musique pour la playlist, comme ça, je ne me ferai plus engueuler, je te l'envoie où? Sur YouTube. Siska, j'ai une question du coup pour Halloween, pour faire peur, t'as enlevé ta casquette? C'est une bonne vanne les mecs, arrêtez de dire que c'est de la merde. Non, je suis désolé, j'assume, ma vanne a été très bonne. Non. D'accord, bah ouais, mais non. Bon, ça fait combien de temps que tu joues, Canard? J'ai commencé du coup en décembre 2016, du coup la sortie. Ok, d'accord. Et tu joues combien de temps par à peu près? Peut-être 1h, 1h30 tous les soirs. Au grand max. 1h, 1h30? C'est pas beaucoup. En prenant le Teach Me, etc. par rapport à ça, tu voulais jouer avec nous ou apprendre des trucs? Non, plus apprendre. Quoi, par exemple? Plus apprendre, donc il y a quand même une part de jouer avec nous. Ouais, je suis pointilleux, je suis chiant. J'ai envie d'être. Ouais, bah, jouer avec nous, c'est avec toi. Bah, c'est... Et apprendre, c'est moi. Oui, voilà. C'est ça. Moi, par exemple, je sais que j'ai un problème. Enfin, je pense que c'est une partie du problème, c'est que je suis une personne qui est un peu trop impulsive. C'est-à-dire que ça se voit. Prendre... Ça se sent, ouais. Ouais, on l'a senti depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas, mais bon, vas-y, je t'en prie.
Et qu'est-ce que tu veux faire sur Rainbow Six? Alors, déjà, ce sera choper un peu. Je vais soulever les cubes, moi. Soulever un peu. Déjà, choper un peu le brevet des collèges, comme tu dis. Le diamant, donc? Voilà, déjà récupérer le diamant et ensuite. Récupérer? Ça ouais, ouais, ouais. Payer. Tu sais. Ah. Il va nous payer pour qu'on carise ça, que ça veut dire. Du coup, ouais. J'aimerais déjà. Ouais, vas-y, continue à t'inquiéter. Je dis si on t'interrompt. Ouais, ouais. Ensuite, j'aimerais faire de l'analyse. Non, ah oui, t'es un peu impulsif, hein. Calme-toi, ouais, calme-toi quand même. Donc, t'aimerais faire des analyses, de quoi? Surtout du travail au niveau des strats, des stats, enfin, des choses du genre. Ça veut rien dire ce que tu me dis, tu t'en rends compte ou pas? Et pourtant, pour moi, ça. Ouais, ouais, mec, ouais, tu passes pour un con devant trop de monde. C'est qui le connard qui a fait ça là? Stop TK, man! Why do you do that? Non, il l'a pas fait. Ah ouais? Moi j'ai tout de caméra, mon loin, il passe in front of me! Sorry, excuse-moi alors, excuse-moi. Je t'aime, pardon. Je peux te réanimer peut-être, attends, je vois. Ah mec, t'as la même voix que. Moi j'ai pas fait exprès, toi tu l'as fait clairement exprès, c'est pas cool. Oui, j'ai fait exprès. Non, c'est clair. Oui, c'est vrai, pardon, je suis désolé. Eh, M3, t'as la même voix que la Salty Academy, tu connais Mary? Ouais, je connais Mary, ouais. Sérieux, t'es Mary? Oui, c'est moi. Non. Si, je te jure. Bah va sur YouTube, tu fais YouTube Salty Academy, tu verras, je suis en live. Mais déjà, je voudrais m'excuser auprès de Tom. Parce qu'on est en train de faire Welcome. Un teach me. Il a tué notre étudiant. Et je pensais que t'étais un cancer. Donc voilà la raison pour laquelle j'étais TK. Ah non, j'essaie de te soigner pourtant. T'essayes de te soigner? Je sais plus quoi faire, je suis très gêné. Ah, mais moi, je suis nul à y aller. C'est de ma faute, j'aurais pas dû tirer dessus, mais il passe juste devant ma ligne. Non, c'est pas de ta faute, c'est juste que je croyais que t'étais un cancer. Donc, j'aurais dû attendre qu'il me dise, il a pas fait exprès. Je suis désolé. Je l'aime bien, lui. En plus, tu me shoots, j'étais en train d'écrire, excuse-moi dans le chat. Tu vois, pour te dire. Attends. Parce que, tu sais, je sens que ce mec, tu sais, en 2-3 coups de voix, tu sens que le mec, il peut être un peu chaud. Regarde. Ouais, enfin c'est bon, on casse pas les couilles non plus, Tom GK quoi. Attention. Oh, je sens qu'il veut partir au quart de tour, lui. Oh, on en tient un bon. Fais pas chier non plus, mec. Hein. Comment? Fais pas chier non plus. Comment ça, je fais chier? J'ai rien demandé à personne. Tu passes dans ma ligne de tir et l'autre il me flingue. Faut que je dise quoi? Merci. Ouais, ouais, bah c'est bon, on a entendu, on a compris. Bah arrête de l'ouvrir alors. Oh c'est bon. Non Tom, je plaisante. Tom, on te troll, on te troll. On est en live, on voulait juste te troller. Tu es en live devant combien de personnes? 6 600 chez moi. Je me tartine le fion de vol. Ah ok, ah tu t'en tartines le fion. Vas-y, j'arrive à voir personne. Ligne de canardule. On voit rien avec cette. Qui va peut-être aller sauver son mate. Peut-être pas. Petit décalage. Oh, son mate va s'en familier avec la hache, bien évidemment. Et canardule, il le sait que la hache, elle est au niveau de la droite. Oh, et oh, le trigger control, il est mauvais. Déjà, on fera lui dire ça tout à l'heure que le trigger control, il est absolument dégueulasse. Il la voit pas. Elle est plus à gauche. Là, il va mourir parce qu'elle va se redécaler sur la gauche et du coup, il aura plus l'avantage au niveau de speak. Désolé, oh, c'est pas bon ça, non, c'est pas bon. On a compris. Ouais, derrière, il va ouvrir sa ligne sur H. Derrière, il l'a pas vu la H. Il a pas compris qu'elle était pas rentrée. Elle est juste au contact à gauche. Elle va rentrer maintenant. Oh, la tête qui décale pas du tout. Allez, on va lui dire ce qui va pas. Tom, si tu nous regardes, on est désolé. On est en train de. Bon, canard. Oui. Mauvais trigger control déjà. C'est quoi un trigger control? Trigger, c'est la gâchette, le contrôle de la gâchette. C'est-à-dire que parfois, il faut arriver à comprendre que en fonction de certaines situations, tu ne vas pas tirer. Voilà. Tu vas rencontrer un mec à un moment et tu ne vas pas tirer, quoi. Par exemple, la situation tout à l'heure sur laquelle H termine Mary, on savait que la H, elle était à droite. Donc, canard, tu prends la ligne, d'accord? Et après, au moment où il y a ses mains qui se montrent, tu tires. Et ça, c'est un mauvais trigger control. Là, tu parles du côté impulsif, etc. Ça, c'est pas bon. T'es obligé d'avoir une espèce de trigger control où tu te dis non, je vais attendre. J'attends pour le tuer, pour être sûr de le tuer. Parce qu'autrement, tu révèles ta position et tu te fous tout seul dans la merde, quoi. Ça. Ensuite, arrête avec les bolos, là. Arrête de faire des trucs AE. D'accord?
Essaye de faire un truc, essaye de pendant toute la durée de la casu là. Oh là là. Tu ne fais plus A ni E. Une seule fois. Jamais. C'est quoi ton plus gros défaut, tu penses, canard? Justement, cette impulsivité. Enfin... Mais l'impulsivité, ça veut dire quoi? Ouais, j'ai pas compris par rapport au jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'énerves dès que tu perds? Non, je suis une personne qui va analyser une situation. En fait, je vais plus souvent pusher et pas forcément regarder au niveau de mes mates à l'arrière. Et je vais plus souvent pusher et faire un truc. De ouf. Dans mon coin. Et prévenir que je le fais, mais un peu plus tard. Au bout de 3-4 secondes. Et toi, t'appelles ça de l'impulsivité? Moi, j'appelle ça de l'individualisme. Non? Vas-y. Ah non, je sais pas. Tu l'as fait, mec. Je comprends pas pourquoi impulsif, en fait. Je comprends pas du tout par rapport à la définition que tu es en train de me donner. Impulsif, c'est-à-dire que tu vas prendre une décision soudaine à la va-vite et vas-y, on a moins 10 HP. Tu vois, ouais, tu vas décaler encore. 10 HP en moins. Ouais, je m'entartine le fion.